Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur StarCraft 2, oh yeah, avec la musique qui déchire, Sweet Home Alabama, oh yeah. Notre cher Jukebox réparé enfin. Oui, parce que cette espèce de gros bisu là, bah, il l'avait pété en balançant une table dessus. D'ailleurs, ils ont réparé les tables. Ouais, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Enfin bref, je vous tourne cette vidéo, il est un petit peu tard. Enfin, c'est la première fois que... Enfin, je sais pas si c'est la première fois. Non, je pense pas que ce soit la première fois que je tourne une vidéo le soir, oui. Les 22h45 bientôt. Ouh, attention. On va sur les 10h. Il va falloir aller se coucher, hein. Bah. Alors, c'est parti. On attaque tout de suite. Ticus. Jimmy, t'as l'air tout pâle. Ce qu'il te faut, c'est un autre verre. Ouais, non, j'ai déjà assez bu. La révolution tourne au ralenti aujourd'hui. Ah, et Tosh ? Oh, mon frère, vous avez l'air d'avoir besoin d'un... Oh, je suis pas un alcoolique ! J'ai assisté à la vision que Zeratul a mise dans le cristal. C'était un aperçu de l'avenir. Un combat final contre les hybrides. L'Armageddon. D'une certaine façon, Kerrigan serait la clé pour l'empêcher. L'Armageddon. Qui sait comment tourne la roue ? Des cycles et des cycles. Ce que je sais, c'est que ceux qui voient l'avenir feraient mieux d'y prendre garde. C'est un don. Oh yeah. Et une malédiction. Malédiction. Mais c'est gravé dans le marbre. C'est ça que je veux savoir. Qui peut le dire? Selon vous, on est qui on choisit d'être? Si c'est vrai, le futur ne peut pas être figé. Oh, c'était profond. Bref, passons. Info. Vous rêvez de bons petits plats maison sur les routes spatiales? Arrêtez-vous à la station-service de Booba. Chaque mardi, deux repas pour le prix d'un avec nos ailes de muta grillées. Et pour chaque plein de carburant, une charge de plasma gratuite. Station-service de Booba, la maison du routier spatial, loin de chez lui. La station de Booba. Allez, bonne celle-là. Bref, pour ceux qui ont compris... Bah passons. Armurerie tout de suite. N'empêche, attends, elle de muta grillée. Ouais bof, ils ont des goûts un petit peu spéciaux. La vache cowboy, t'as vraiment une sale mine. Tu penses encore à cette fille? Non. Un peu ouais. Je viens d'avoir des infos sur ce qui pourrait arriver si on peut pas la sauver. Bah si tu veux mon avis, ça sert à rien de se casser la tête sur des peut-être. Mais si tu veux un coup de main, t'as qu'un mot à dire. Voilà. C'était mon mot. Alors, est-ce qu'on a... Bah, on n'a pas une thune, en fait. Hein. Ah, on n'a plus rien, là. Ah, c'est la dèche. C'est la dèche. Puisque maintenant, on est obligé de faire les missions de... comment il s'appelle, l'autre, là? Azeratul, voilà, c'est ça. Puisque nous approchons de la fin du jeu. La dernière mission sur Char, mesdames et messieurs. Oui. Donc, je préfère finir d'abord... Vous avez l'air secoué, commandant. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais point. Zeratul a appelé ça une vision de l'avenir. C'était la fin des temps, Matt. L'Armageddon. Je pensais pas que les protos étaient si nombreux. Mais ça n'a pas suffi pour arrêter les hybrides. Mais et Kerrigan? Elle n'était pas censée les arrêter? Dans cet avenir-là, elle était morte. Tuée par nous. C'est ça que Zeratul essayait de nous dire depuis le début. Ah, elle doit vivre. Sinon... on est tous foutus. Ah, c'est beau. Bon ben voilà, on a la réponse. Bon ben, on doit sauver Kerrigan, puisqu'en fait, c'est la clé de tout. Oui. Ben, c'est parti, hein, let's go. Sans plus tarder. Lorsque le temps sera venu, le cycle va prendre fin. Après avoir forgé les étoiles, les Xel'Naga vont transcender leur création. Cependant, le déchu doit rester... destiné à recouvrir la ville d'Ambre avant que les étoiles ne s'éveillent de leur course céleste. Il brisera le cycle des dieux, dévorant tout espoir et toute lumière. Tout commence avec le grand dévoreur. Et en fait, je crois que je viens de me faire rouler là, il n'y a plus de mission. Ah, je suis dans la merde en fait, j'ai plus rien. Ah, ben, j'ai l'air con moi. Ben, on va être obligé de faire la dernière mission. Ah, ben écoutez, un full cadeau pour vous, les amis. Hein. C'est rien que pour vous. The Last Mission.
Tout se met en place pour entamer le dernier acte. L'invasion de la ruche principale des Zergs sur Char. Une fois l'attaque lancée, nous ne pourrons plus faire machine arrière. Vérifiez bien vos préparatifs, commandant. Le destin nous attend. Oh putain, on va en chier. Bon bah alors, hein, c'est parti, épisode final StarCraft 2. Donc voilà, une série bouclée jusqu'à ce que j'achète la Heart of the Swarm finalement. Hein. Bon, je verse une petite larme. Voilà, c'est bon. Attention, une fois que l'invasion de Char aura commencé, vous ne pourrez plus quitter la planète et accomplir de missions sur d'autres planètes. Hein? Oui, mais ça, c'est bon, j'ai fini toutes les missions. Attendez, je stresse, là. Une fois que l'invasion se joint, hein, vous ne pourrez plus quitter la planète et accomplir des missions sur d'autres planètes. J'ai terminé les missions sur d'autres planètes, non? Attendez. Attendez, je stresse un tout petit peu. Non, on peut pas. Ça, c'est quoi, déjà? Ah, ça en sent pas les steaks. Ah, attendez. Mission terminée 20... Ah. Ah, si, il m'en manque. Mission terminée. Si, il m'en manque. Mais alors, où sont-elles? Ah, merde, alors je sais pas comment faire. Peut-être que ça va... Ah, oui, 30... Ah, 60 000 crédits, ça, c'est pratique. Mais alors, ça... Mais... Ah, mais il n'y a plus de mission. Mais j'ai l'air con. Aide de camp 2346. Connecté. Attendez, on va refaire un tour au bar. Non, info, il y a déjà. Écoutez. C'est bizarre, ça. Mission terminée. Ah, peut-être à l'armurerie, qui sait. Ah, c'est bizarre, ça. J'ai plus de mission, c'est fini. Ah, tiens, on va en profiter quand même pour... voilà, j'ai la toune qui est rentrée là, la toune. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de cette toune? Ben écoutez, excellente question. Moi, je sais pas du tout. Ah, j'en sais rien. Hein. Oh putain, je sais même pas dans quoi les dépenser. C'est la merde. Ouais. Bah là, vu que je pourrais plus gagner de fric, de toute façon, c'est la fin. Hein. Je sais pas. Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Là, je suis sûr que vous êtes. Mais vas-y, prends ça, mais bon. Je vais prendre ça, puisque je suis sûr, voilà. J'ai sûrement fait la plus grosse connerie qui existe sur cette terre, mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez. Bon, ouais, on va finir, hein. Bon, allez. Nick, c'est parti. On se pose pas de questions, là je sais pas où il faut aller. J'ai peut-être un lourd trou de balles. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Oui, c'est bon, j'ai cliqué sur le oui. De toute façon, il y a la sauvegarde, donc je m'en fous. Si jamais j'ai loupé des missions, attendez, je me tais pour la cinématique. La dernière, c'est Char. Si l'enfer existe... Il ressemble à ça. Des océans de feu, des secousses tectoniques, une atmosphère capable de vous brûler vif. Mais tout ça est prévu. Les Zergs sont imprévisibles, général. Ils ne rentreront pas dans vos jolies petites cases. J'ai dirigé 5 offensives contre les Saints. J'étais au front pendant que les terroristes comme vous restaient planqués. Nous savons tous quelles sont vos victoires, général. J'ai invité le commandant Raynor pour nous aider à parer à tout élément imprévu. Eh bien, on dirait que t'as pensé à tout, Junior. J'ai beaucoup trop investi dans cette entreprise pour l'avoir échouée. Et à ce propos, vous devriez particulièrement apprécier la prochaine étape. Valérian, on m'annonce ton départ avec la moitié de la flotte. Tu peux t'expliquer, mon garçon ? Père, je suis sur le point d'accomplir ce que tu n'as jamais réussi. En ce jour, je vais vaincre la Reine des Lames et instaurer la paix dans tout le Dominion. Grâce à cela, le peuple aura enfin conscience que je suis digne de te succéder. J'aime ta détermination, fils, mais tu es loin d'être à la hauteur. Comment crois-tu avoir assez d'expérience pour... Il n'est pas seul, Arcturus. Reina.
Qu'importe dans quel bas-fond mon fils vous a pêché, vous devez réaliser que cette garce n'a plus aucun espoir de salut. Tout comme vous, d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on va voir. Et quand ce sera fini, toi et moi, on a un compte à régler. Oh, j'aime ses yeux. Je ne pouvais pas espérer mieux. Tu joues un jeu dangereux, gamin. Prince Valérian, des vagues d'attaquants Zerg viennent vers nous. Déjà ? Yo ! Évacuez la passerelle. J'ai une bataille à gagner. Je vous retrouve sur la surface. Attends, sont déjà martyrisés, quoi. Non, mais attendez, les mecs, quoi. On n'est même pas atterri, on n'a même pas atterri sur la Terre, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut dire stop. Oh là là, full prestige. Les équipes Bravo, Echo et Delta ne répondent plus. Je répète, sur la droite, a perdu sur la droite avec les équipes. Où est le commandement? J'ai pas de soutien, et il y a des cercles qui arrivent de par... D'accord. On brûle. Je répète, nous avons perdu le propulseur. Ils sont en train de sortir du sol. À toute station sur ce réseau, à toute station sur ce réseau, il nous faut des tirs de soutien. Et maintenant... Bordel, je leur avais dit qu'une attaque frontale ne marcherait pas. Elles s'amusent avec nous depuis le début. Nous au moins on est vivants, mon pote. Les quelques escouades qu'on réussit à atterrir sont éparpillées un peu partout. Tu crois que le pire qui puisse vous arriver ici, c'est la mort ? Yo ! Ce qui vous attend, c'est la contamination. Bientôt, ils serviront tous les saints. Elle essaie d'entrer dans nos esprits, mec. Faut pas se laisser faire. Si on veut sortir de ce merdier, il faut rassembler autant de survivants que possible. Commandant, des groupes de combat du Dominion continuent à atterrir tout autour de vous. Mais ils sont en piteux état et subissent de violentes attaques des Zergs. Très bien. Alors, on va leur sauver les niches. Il nous faut une vraie force d'assaut, si on veut avoir la moindre chance d'arrêter Kerrigan. Très intéressant, dites-moi. Aux portes de l'enfer. Cette planète, elle est juste... charismatique, voilà, c'est le mot. J'ai trouvé. Les mercenaires sont encore plus efficaces dans l'émission où les ressources et le ravitaillement sont limités. D'accord. Ok. Bon. Bah c'est parti pour la dernière mission. Après le chargement de l'infini. C'est parti. Ok, alors vite, on perd pas de temps. Oui, je dis ça. On va direct mettre le gaz Vespain. Les mules. Et on commence la production de VCS à gogo. Commandant, selon l'analyse tactique, les troupes graves sont beaucoup plus nombreuses que les vôtres. Que quoi? Que les vôtres. Oui, bah ça, je m'en doute, hein. On est sur leur planète. On est à l'extérieur, là. On joue à l'extérieur. Matt, tiens-moi au courant quand des capsules atterrissent. Si on peut en trouver assez avant les ergues, on aura peut-être une chance de se frayer un chemin hors d'ici. Ok. Bon, ça a l'air d'être un peu la merde, hein. On a l'air d'être entouré par je sais pas quoi. Lever une grande armée, 100. Ah, d'accord, c'est ça qu'ils appellent une grande armée. Ouais, écoutez. Voilà. Ils sont pas tous de l'ambition de fou furieux comme nous, hein, j'ai envie de dire. Par contre, là, on va se donner comme objectif, écoutez, d'acheter tous les mercenaires pour avoir la full armée de... Commandant, j'ai repéré une capsule de débarquement en approche. D'élite. Elle devrait atterrir près de votre position dans les prochaines secondes. Ok. Nice. Très bien. Sortons d'ici et trouvons-les avant les ergues. D'accord, ok, nickel. On récupère juste les petites ressources qu'il y a. Oh, c'est bon, il y a 5 zergs là, c'est bon. Une capsule de débarquement. Neuf, okay. Bon, on va laisser. Je pense que ça suffit largement. Hein. On va prendre tout cela le temps qui fera largement l'affaire. Plus. Voilà, laisse tomber. Les zergs ils se font atomiser là, les petits zerglings. C'est même pas la peine qu'ils essayent. Hein. On va faire un petit coup de stimulant. Ouais. Et on focus. L'hydralis. J'ai toujours du mal avec ces noms. Voilà, c'est nickel, on peut aller les récupérer. Les rebelles de Raynor. On est bien content de vous voir, les gars. Ouais, moi aussi. Je prends le commandement pour la suite.
Ouais, il est décédé. Nous, et on va voir si on peut le trouver, le général. Bien, commandant. Ouais, il s'est paumé le mec. J'adore bref. Ta façon de leur rendre espoir. Ouais. Je t'en prie. On va faire. Tac. Tous jusqu'à moi. Ah oui, j'aime sa voix. À l'abattoir. Oh. Ne l'écoutez pas. Restez concentrés et on s'en sortira tous. Oh. Oh oui, attendez, par contre. Ouais, va falloir faire gaffe. Ta. Ah, puis il nous faut un VCS pour aller réparer ce bunker, parce que là, il commence à être un petit peu plus actif, nos amis les Zergs. Nous, on va faire le tour comme ça pour récupérer le max de ressources. On va construire une autre caserne, histoire... Ok, il y a les trucs qui pètent à côté. On ne sait même pas pourquoi. Ici, je suis bloqué, je suppose, ouais. Planète assez étrange, il y a des plantes cheloues. Bref. Alors... J'espère que j'ai assez de... Ouais, je te sens. Je viens de détecter une capsule de débarquement dans votre secteur. Ah bah écoute. Ah d'accord. Et mon VCS est mort. Hein. Je suppose. Ah non, il est là, je suis bon. Hein. Ils m'ont pourri mes deux maraudeurs, ces tanks de merde. Bon, lui, il va stationner là-dedans. Ah, ils sont là, fallait le dire plus tôt. Bon, attendez, on va explorer ici plutôt. Ah, mais on peut pas ici, c'est des gorges en fait. La base est attaquée. Ça c'est qu'un... Ah oui. Ouais, bon. Allez hop. Débarquer. Ah, c'est qu'un détail ça les mecs. C'est qu'un détail. Hop, on ramène toute l'armée ici. Attendez. Y'a des poteaux. Envoyez-moi quelques sacs mortuaires. Eh oh. Ah bah tiens, y'a des ressources ici. Ok, bon. On va la jouer fine et stratégique. Oui, c'est le mot. C'est le mot de cette dernière mission, écoutez. D'ailleurs, c'est qui eux? J'arrive. Tenez bon. Oh. On bouge. D'accord. Oui, ils se sont fait déchirer. Faut dire, ils atterrissent comme ça sans prévenir. Ah, je remarque un petit peu de respect. Un petit coup de simulant. Voilà, ça c'est fait. Ah, des ressources. Et encore une gorge. On va faire un petit tour par ici. Alors... Des mules, faut pas que je perde non plus. Je vous transmets les coordonnées d'une capsule de débarquement à proximité. Ok, déjà nous, on fait la masse d'armée. On va faire on va refaire des tourelles. Tac, de la tourelle. Ah merde. Ok, ils sont piégés là-bas. Ok, il y a une nouvelle base ici. On va péter ce truc dérolasse. Voilà, petit stimulant, qu'est-ce que j'ai? Voilà, attaque. Ah, ils vont se faire attaquer eux. Ah, désinfecté! On le tue, moi ça! Faut pas qu'il vous touche. Qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y! Voilà, c'est bon ça. Heureusement qu'il y a des médics. On récupère le Vespen et on va pouvoir faire une deuxième base ici. Hein. On aura toutes les ressources qu'il faut. Donc ça envoie des trucs dégueulasses dans l'atmosphère. Voilà. On va aller jeter un petit coup d'œil dans cette zone. Ah, un petit coup de stimulant. Base alliée attaquée. Ah merde, bon bah en fait je suis arrivé trop tard, mais il faudrait que... Putain, la tourelle elle a même pas le temps de... Ouais, j'ai pas été fini sur ce coup. J'aurais pu récupérer une usine. Mais ici c'est quoi ce délire là? C'est la touffe ou... Oh putain, chancre. Heureusement que j'ai été tué. On va revenir à la base, écoutez.
On va revenir à la base. Et ils ont pété. Bah, ils ont tout pété. Ah! Ok, bon, l'armée que je venais de faire, bah, elle s'est faite déchirer. On va faire la masse. On va faire tout à mort. Hein. Plus de. Nos amis. Non, on va en faire que 3. Tac. Plus des mules. Hop, c'est parti. Bon, alors, je vais essayer de gérer le mieux que je peux. Alors, lui, va aller réparer. Répare deux fois plus vite, mon gars. Commandant, une autre capsule de débarquement descend près de votre position. Non, moi j'ai bien fait de prendre. Ah, ça on va y aller vite. Si, vite. Vite, parce que là il y a du tank. C'est tout bénef là. C'est full bénef ça. Allez, go. On bute les mutas. Voilà, ça c'est fait. Et on va les récupérer. On revient là, on va. Voyez un groupe d'intervention là-bas. Quand ton cœur fait boum. Alors, comment s'en sortent nos deux petites casernes? Je pense qu'on va commencer à embaucher les mercenaires. Hein. J'ai plus assez de. Bon, on va économiser un peu, mais là, j'ai fait le plein de. Et on va emmener notre petite probe faire un deuxième centre de commandement. Ça vous sera très utile, ça, pour tenir. Pour tenir contre les. Quoi? Oh, c'est ça là! Allez les mecs! Allez les tanks là! Voilà, c'est bon ça! Hop, on récupère les ressources miel! C'est quoi ça? Oula, j'ai fait péter des trucs! Eh, pratique hein! Je crois que c'est la première fois que j'utilise ces petites tourelles bizarres là! C'est la première fois, je crois, que je les utilise. Ah, je suis bientôt à 3 clampins de créer une armée. Donc ouais, les tourelles perdition là qui font. Enfin les lance-flammes là. Chelou, c'est sympa. Hein. On va faire les tanks d'élite. On va faire les anges de fer. Et après on va faire les banshees. Attendez, j'attends de finir les mercenaires là. Ici le général Warfield. Mon vaisseau subit de très gros dégâts. Mais non, c'est que dans ta tête, voyons. Oh, comment il s'écrase comme une merde. Warfield, à toute unité du doute à portée, mon vaisseau est à sec et nous subissons de lourdes pertes. Nous tenons. Gentil. Putain, ils sont efficaces, hein. Vite. On est en route, général. Tenez bon. Bordel, on ne s'entend même pas. Le seul moyen d'arriver jusqu'à Warfield, ah oui, pas mal. Traverser vers de Nidus. Tu parles d'une invasion. Ouais, j'avoue, là, c'est. C'est nul là comme, comme plan d'attaque, hein. Je sais pas qui l'a fait. Mais... On va faire un peu les chacals là. On va attendre un petit peu. Moi je veux tous les mercenaires. Nous mobiliser tout ce que nous avons pour forcer le passage vers Warfield. Je veux juste ça, voilà. Warfield ne restera pas vivant bien longtemps. Oh, ça c'est beau ça. Vous êtes attiré par sa peur et celle de ses hommes. Vous ne pouvez rien pour eux. Oh fuck. Tu parles beaucoup, Kerrigan. Cette peur que tu sens, c'est peut-être la tienne. Ah shit, il y a un zergling qui est venu nous casser les coucougnettes. Ah shit. Commandant, une autre capsule de débarquement a atterri dans votre périmètre. On va aller les sauver. Ah oui. D'accord. Ouais, bon en fait on va envoyer l'armada ici, parce qu'en fait il y a des people. Oh, c'est... On va péter ça. Oh là, c'est de l'annihilation. Tac, on va les libérer. On récupère le Mespain. Et on va tout de suite embaucher le. Un soutien aérien. Oula, exactement ce qu'il nous faut. Prenez ce spatioport et placez-le derrière nos défenses. Ouais. Ça, c'est une excellente idée, ça. Oh, on se taille. Ah, j'ai perdu un tank et une unité d'élite. Bon, on va peut-être reculer, finalement. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'as un problème, toi? Qu'est-ce que tu attends, toi? Oh, mais ils insistent.
Bon, en fait, on va se tirer d'ici parce que j'ai fait un peu le con là. On va faire la full maraudeur. Bon, voilà. On va prendre ça. On le fait décoller et on se casse avec. Et on va le faire atterrir ici. Oh, et là, bah nickel, hein, c'est parti. On fait de la mule. Ce petit zergling, il en a dans le calbut. Écoutez. Wow! C'est quoi ça? Ah, fuck. J'avais pas fait gaffe à ce truc. D'ailleurs, on va aller... ça, tu... Parce que lui, il a embarqué un tank, tu sais, mon problème. Allez, c'est parti. En route, les amis. Il y a une nouvelle capsule de débarquement en train d'atterrir près. Donc, on va passer par ici. Où ça? Oh. On va passer aux choses. Où ça? Où ça? Ouais. Ouais, non. Non, on s'en fout au pire. Hein. Ouais, on s'en bat un petit peu les steaks. Hein. Tac, on va faire plus de marines par contre. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toujours des moutalisques. Bon, on va péter ces zerglings de merde là. Voilà. Putain. Base alliée, on s'en fout. Allez, c'est bon, on pète tout. C'est parti. Wouhou. C'est peut-être pas la meilleure des solutions ce que je viens de faire là. Faut péter ces... Oula, excusez-moi, j'ai... Champ de minerai épuisé. Pète tout. Ah, ça devient chaud patate là. Vous êtes... C'est plus la même merde. Non. Ah, il est en train de... Oh, cette saloperie est en train d'infecter mes... Et on pète les... On pète tout là. On pète tout là. Surtout cette daube là, cette daubasse. Et ces trucs infectés, ignobles, qui ne mériteraient même pas d'exister. Ça aussi. On pète tout, nous on est des ouf. Par contre, j'ai... L'effectif a été un petit peu réduit. Ça là, c'est... ce truc ignoble. Commandant, je détecte plusieurs capsules de débarquement en train de pénétrer dans l'atmosphère. Je ne pense pas que nous ayons le temps de les secourir toutes. Pas avec autant de zerg dans la zone. Ah, ça, ça aurait pu être intéressant. On sauvera autant que possible. Ça m'étonnerait que tout le monde survive. Hop, on va faire des... Attends, j'y pense, je vais transférer les mules. De ce côté-là... Oui, je sais, je pourrais le faire à la touche, mais j'ai la flemme, là. Ah, ici aussi? Oh, bah écoutez, hein, la flemme. Hein. Nous, on va là pour l'instant, ça suffit. On va aller péter ça. Déjà que je me fais agresser là. Ah, bah tiens, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas que je me fais un tout petit peu envahir. D'ailleurs, si. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Ok. Et on va... Ah, décidément. On va faire de la hauteur. Putain, détruisez-moi ça, là. La base est attaquée. Putain, c'est la merde. Base alliée attaquée. C'est la merde, c'est la merde. Ah, écoutez les mecs, je peux pas faire autrement. Hein. Base alliée attaquée. Ici on va en mettre une, hein, écoutez. La base est attaquée. On va mettre un bunker ici. Oh là là. Écoutez, on va envoyer trois... Gros boulot. Alors,
On va envoyer des mecs pour protéger ici. Base parce alliée, que... attaquée. C'est chiant. Bon, bah, en fait, tous les mecs que je devais sauver sont morts. C'est pas grave. Bon, on en a pas besoin, hein, la flemme, de toute façon. Ah. Merde, j'ai perdu une unité d'élite. En fait, le truc qui est con, c'est que je vais perdre tous mes mercenaires hyper chers. Eh non, une autre vague de capsules de débarquement approche, commandant. Il serait trop dangereux de débarquer moi tout ça là. Je transmets votre appel. Ah, on se tire. Ah, mais qu'est-ce que je fous moi? Et toi, arrête d'embarquer ça, putain. Commandant, les dernières capsules de débarquement du Dominion ont atteint la surface de Char. Je crois qu'on n'attend plus personne, les gars. Bien, chef. Bon, je suppose que je devais... J'ai un offert à la con. On va en profiter pour tout péter. Attaquer. Bon voilà. Je fais ça. À partir de là. Comment ça la base est attaquée? Mais non, ça c'est mon préfet. Mais putain, le temps qui tire dessus aussi. Putain mon petit duo. Ah mais d'accord, c'est parce qu'ils sont là. Ah oui, ils ont des. Ah oui si, c'est intéressant. Ah ouais, c'est intéressant. Oui. Attaquée. Ouais, on va tenter un truc, les amis. Allez, c'est parti. Oh la gloire, elle. Mais comment on fait pour passer? Oh putain, on doit faire tout le tour. Allez, pour la gloire et l'or et la beauté. Base alliée. On va faire des médics et encore des marines. Mais je suis con, mais en plus, je devrais faire beaucoup plus de casernes. Je fais n'importe quoi parce qu'il est tard. Les alliés sont attaqués. C'est ce qu'ils disent. Bon bah fuck les cuirassés. Hein. Ah non, fuck. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, en plus j'arrive trop tard. Non. Putain, je suis dégoûté, j'y vais. Surtout que je les ai poutrés là, ça m'énerve ça. Et là j'ai complètement oublié de faire ça. Bon bref. Nos médics. Bon, on va faire une grosse armée, écoutez, puis on va aller leur botter le cul. Il y a pas d'autre mot. Hein ? Voilà, nique. Hey, qu'est-ce qui se passe ? Bougez-vous, j'arrive. Ils se réparent entre eux. C'est beau. Mais quel con, ce tank ! Oh, mais quel cul. On va faire un autre bunker. Ouais, donc d'autres casernes, j'ai fait. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien, c'est parce que là, on va en avoir besoin. On fait la masse marine, vous allez voir que un, que ce soit en multi ou je sais pas où, la base est attaquée. On va les faire rejoindre. Ah bah tiens, ici il y a des ressources. Ok. Ah mais je peux les réembaucher, c'est bon ça. D'accord, ok. Bon, on va les réembaucher. Hein. Encore ? Voilà. La base est attaquée. Oh putain, mais il casse les couilles. Non, ah bravo, vous êtes fiers de vous. On va le mettre là comme ça le tank pourra pas le choper. Voilà. Bougez-vous, j'arrive. C'est parti! Pas assez de minerais. Oh putain, mais ils sont chiants. C'est vrai que niveau base minerais, là, on va commencer à... La base okay, est là. Encore! Et mine de rien, ça fait presque mal! Ah, par contre, là, c'est la dèche. Hein. J'ai plus de minerais. J'ai plus rien là. Bon. C'est la grosse merdasse. Il n'y a plus de minerais. C'est si, c'est pour la gloire et la victoire. C'est rien. Ah non, attendez, j'ai pas vu. Il y a cette... Mais j'ai plus de minerais. Comment il est fait? Il n'y a plus de minerais. Ah, je sais. Ah ben merde.
J'ai déjà tout. Ben non, en fait, je suis dans la merde. J'ai plus de minerais. Base alliée attaquée. Ah mais non, je suis stupide moi. Putain, regardez-moi ça, je suis vraiment con. On va faire une autre base ici. Déjà, rien qu'avec ça, on va essayer d'aller tâter un petit peu. Hop, on va soulever base cette base et on va l'amener ici. Allez-y. Sauf s'il y a ce putain de drone qui gêne. Voilà, parfait. Ok, c'est parti, on va tenter une attaque. Tu transmets la paix. Vas-y, transmets la paix. Fais-t'en ce truc ignoble. La base est attaquée. Oh, il est full VCS. Il a pété un cap. Allez, les VCS, ils s'y mettent aussi. Tayo! On va péter ça, là, cette merde. Non, pétons ça, là. Les trucs qui font des dégâts. Pétons ce truc, là, ignoble. Ça aussi, là. Ça, on pète le deuxième. Et on finit la mission. On pète ça. Et on focus le Nidus. Oh, le cuirassé de malade a pété. Avec un peu de chance, le vieux Warfield est encore en un seul morceau. Non. Ah, c'est peut-être pas la dernière mission en fait. J'ai peut-être dit de la merde en fait. Bon, j'ai gagné qu'un au fait, les mecs. Bon, ça a pas duré très longtemps, 22 minutes. Alors, ça doit pas être la dernière mission. C'était ça, putain, cette mission, l'invasion sur Charme. On a rien foutu. On a. Oula, putain, en plus, je m'étouffe. On a rien foutu toute la. Oh! Oh, c'est beau! Oh! Merde! C'est tellement prestige! Oh la classe! Oh, le général Warfield! Ouh! Annulez cet ordre! Tenez la position. Holy shit. Des hydralisques. Oh. Oh, le point. Il va se faire bouffer là. Oh putain, mais que de rebondissements. Oh, ça c'est la classe. Il paraît que vous avez besoin d'aide. On a fait aussi vite que possible. C'est pas le moment de faire la sieste, général. Oh, le cerveau explosé. Magnifique. Vous êtes la dernière personne que je m'attendais à voir. Les filles, je m'en veux de vous interrompre, mais... les indigènes s'impatientent. LOL! Merci pour votre... Allez, Médor! Mais j'espère Attends. Que vous n'êtes pas venu seul. Général, vous savez que j'ai toujours une carte dans la manche. Oh, ça c'est la classe! Oh, des banshees! Vous êtes peut-être un sale pirate, Raynor, mais aujourd'hui vous avez sauvé mes hommes. Je ne l'oublierai pas. La journée n'est pas finie. Oh, ça c'est la classe! Pouah, pouah, pouah! Oh là 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 là. Mais tellement cinématographique. Ah, mais d'accord. Oh, c'est la classe, ça. Maintenant, on est sur char, ok. Donc, c'est la fin du jeu. Ok.
Et donc il nous reste 2-3 missions en fait avant d'arriver à la fin. Ok, bah c'était pas la dernière mission en fait, je suis juste un gros bisu. Alors on va juste voir les infos. En direct pour l'UNN. Nous apprenons ce soir avec stupéfaction qu'un très grand nombre de Zergs se retirent vers leur ruche centrale sur la planète Char. Même s'ils n'abandonnent pas totalement les mondes conquis, la plupart d'entre eux est en train de s'entasser autour de la planète volcanique. Qu'est-ce que cela peut signifier, Kate? Nous n'en avons pas la moindre idée, Donny, mais nous vous tiendrons informés de toute évolution de la situation. Moi, je le sais, ce que ça signifie. Et c'est pas bon. Ah, ça, je te le fais pas dire, c'est pas bon. Trop classe, cette mitrailleuse, là. Avec les benchies et tout, oh putain. Enfin, bref, donc... rechercher. Ah mais j'ai déjà fini, oui, je suis con, c'est les mêmes menus. Bref, donc sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je me suis éclaté, c'était trop bien. Surtout avec les cinématiques là. Oh là là là, mais Blizzard, vous nous donnez du plaisir là. Enfin bref, donc laissez un petit j'aime, un petit commentaire et à la prochaine. Et avant de partir, je voulais rajouter un truc concernant le live. Alors, je pense peut-être le faire d'ici la fin de la semaine, peut-être vendredi ou le week-end, je sais pas, peut-être vendredi soir. Donc on fera du Black and White, le dernier épisode normalement. D'ici là, faut que je tourne, enfin faut que je finisse de le royaume où je suis là, c'est-à-dire l'avant-dernier. Et donc ce sera sur Twitch et pas sur YouTube. Donc j'ai fait des tests. Alors ça devrait être plutôt potable. Donc ce sera en 480p. J'espère que ça va pas trop laguer. Bref, donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.